Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir aujourd'hui pour m'avec vous encore pour me porter pour émission parlant mon éditorial avec Yannick. Aujourd'hui c'est lundi 17 octobre 2022 qui marquait 216e anniversaire commémoratif la mort Papa Nation Jacques Dessalines. Eh bien, depuis ces dernières années, ça y est, on constat que nous faisons un danger qui pendait sous tête pays d'Haïti. Il y a une rupture totale, carré barré qui fait dans tout ça qui est pour nous avec tradition historique nous dans le pays. Passé historique nous, mémoire historique nous comme peuple, comme haïtien. Nous sommes sous Jovenel Moïse. Tout dat historique, à l'époque, c'était une opposition politique qui campait, qui mettait une interdiction formelle pour le président aller sous site historique pour la commémorer dat historique. Alors que yo même, à l'époque, t'es André Michel, Lenel Kassim, même SDP allié, yo, qui tape chauffer la rue, yo, yo même, yo descendu pour rouge, yo même, yo pral bon arrive, yo même, yo pral vertier, mais président pas de gain droit pour le tefel. Eh bien, j'en dis en là, constat, c'est qui ça? Notre date historique, ça, c'est population haïtienne qui prend la rue, c'est peuple qui prend la rue, cap revendiquer droit, yo, cap mandé départ, yon gouvernement corrompu, cap mandé départ, yon premier ministre corrompu, qui pas capoté solution avec problème pays, qui pas capoté solution avec insécurité na vivre chaque jour en dedans pays. Par rapport avec toute situation de crise, par rapport avec insécurité qui a plongé pays, par rapport avec demande d'intervention militaire, que le gouvernement Ariel Henry prend là, lui mande là, lui fait là, eh bien, un ensemble de décisions, non seulement que la communauté internationale envisage pour yon pencher sous lui, puisque aujourd'hui, le dossier haïtien, yon a repassé le devant Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est pas seulement ça. Pressé, pressé, faut Ariel Henry arrive joindre avant que yon décide est-ce que oui ou non a gagné une force de police multinationale qui a rentré pour venir aider PNH à résoudre le problème de sécurité en Haïti. Donc, je dis là, gagné, peuple qui est dans la rue, qui a voyé en réponse non seulement par Ariel, mais par la communauté internationale, là, yon l'autre bois gagné Ariel qui a obtenu une réponse par bon côté communauté internationale. Là. Son ensemble de faits. Que nous vivons déjà dans l'histoire pays nous. Question insécurité, question instabilité politique, question intervention militaire, tout le bagage ça, nous voyons déjà, nous vivons déjà dans le pays. C'est ça que fait toujours aimer dire nous. Yo peuple qui oublie l'histoire, li condamné pour revivre même erreur ça yo. Et je dis, plus bonne façon pour haïtien, plus bonne façon pour chaque grain haïtien, pour jeunesse consciente là aujourd'hui en dedans pays, pour nous connaître qui ça t'est passé, pour nous comprendre qui ça a passé là et pour nous préparer nous pour nous pas tomber dans même erreur ça yo. Dans jour qu'a gagné pour venir là, c'est recoller nous avec histoire, nous retourner dans histoire nous pour nous comprendre ça qui a passé aujourd'hui là avec communauté international pour nous comprendre domination pays occidentaux yo gen là pour nous comprendre intrusion permanente qui gen par bon côté pays États-Unis qui foure bouche chaque jour bon Dieu mette dans problème Haïti yo c'est sous problème nan yon bon y a cherché solution pour problème nan yon l'autre bon et bien tout dossier ça yo tout point d'homme ça yo tout soulèvement ça tout question ça on a posé dans ça qui gen pour avec décision que acteur politique en Haïti yo pas ka prendre bien pas veut prendre toute question a posé dans ça qui gen pour avec Haïti tout non pas soit zam qui a sorti par bon côté États-Unis chaque jour rentrer en Haïti vinn mettre sous malheur nous vinn mettre sous le problème nous vinn continuer avec vague insécurité vinn alimenter plus gang plus bandits dedans pays décision que département d'état américain prend pour sanctionner un paquet d'acteurs politiques économiques dedans pays tout ça yo nous wèyo déjà tout ça yo nous tendeyo déjà à travers l'histoire et nous gagnons. Yon célèbre historien en Haïti, Michel Soukart, qui passait de présentation. Et c'est lui-même qui t'a fait mise en garde, qui t'a annoncé tout ça ou en a vivre en Haïti là. Question c'est gang ou pral mande autorisation là pour rentrer la caillou. Question c'est gang qui pour bon autorisation là pour quitter la caillou. Ouais, Michel Soukart t'a averti nous. Il t'a dénoncé tout bagay ça yo, mais autorité l'État ou pas de jambe prend aucune disposition pour qui ça parce que c'est même autorité ça yo, c'est même yo même qui a financé bandi. C'est même autorité ça yo, c'est même yo même qui a protégé bandi jodi. Tout ça qu'a fait là en Haïti dans moment là, tout
tout ça a été dit déjà, tout ça a été annoncé déjà. Et nous connaissons Michel Soukan lui-même, li pa jam nan sere kras, sa la Abdoulan li dou li. Et on pral konnen effectivement, puisque depuis hier, il y a bruit qui a couru que Ariel Henry pral dénoncer, gros pral démissionner. Gros paquet de faux tweets qui a circulé, Ariel Henry pral démissionner. Et bien on pral konnen jodi an dans émission. Qui raison qui fait Ariel Henry li pa ka démissionner devant lui-même? Qui est-ce groupe moun effectivement Ariel Henry a protégé là? Dans la communauté internationale, c'est qui est réellement qui a tiré ficelle? Et dans ce qui a passé en Haïti, l'influence communauté internationale, est-ce que bagay ça li prête pour finir en Haïti? Ensemble de questions, ça, ou pral jouer une réponse avec vous. Historien Michel Soukan pral pote une réponse pour vous dans ce qui est pour avec crise politique na vivant dans le pays aujourd'hui. Mais vitez-vous, ouvrez les oreilles, mettez-vous à jour, mettez-vous à cela pour comprendre ce qui a passé dans le pays. Là. Parce que ce qui a passé là en Haïti, et jeudi 17 octobre, ils sont occasion pour questionner tout en tant qu'haïtien, qui sont doués faire, qui implication doit gagner dans ce qui a passé là, dans la crise politique là, pour aider les pays en sortir côté lié là, pour retirer les pays en bas mais oppresseur ça yo, en bas mais mercenaire politique ça yo, en bas mais en communauté internationale intrusive comme ça. En nous tendant ensemble, Michel Soukan. Nous avons des choses pour nous apprendre, nous avons des choses pour nous connaître. Pas oublier, partager vidéo, partager émission, c'est le seul travail ça ou gagner pour faire. Donc, professeur, bonjour, comment allez-vous? Eh bien, bonjour, monsieur Alphonse, bonjour à tout le monde, capteur des magiques. Eh bien, j'ai un maladie, pas j'en t'arrête meilleur du tout. Je suis posé, tout ça, c'est normal, puis à vivre en Haïti, puis à vivre l'autre. Oui, moment difficile. Professeur Soukan, ou parmi moun nan peyi a qui se de grand dette et qui on consulte fè papye l'histoire qui wè de bagay qui passe déjà nan peyi a et qui wè réédition de phénomènes qui souvent dit attention. Attention, attention. Et malgré attention, attention, hein, nous gardé disposition yo pa pran et ça nous baille comme mise en garde yo rivé. Notamment, il y a cette fameuse interview avec Wendell Théodore, notre confrère de Radio Métropole, quand on te dit, ou pas avoir qu'une volonté pour prendre des décisions drastiques qui pour freiner ça nous là. Autrement, dans 5 ans, le bon monde rentre là, Kayo, c'est gang pour demander la permission. On est en train de le vivre depuis des années, la boule, et Pernier, Torcel, et on peut citer d'autres quartiers, Martissant, Cité Soleil, La Plaine, and so on. Moi, dit qu'on est, avant de parler avec vous de différences ou faits entre hommes politiques et hommes d'État, et nécessité, je veux dire, pour régler hommes d'État pour prendre des décisions qui pourraient tirer dans la carrefour d'internouille là, à quel sentiment ou vive ça là? Pas avoir qu'une volonté pour prendre des décisions drastiques qui pour freiner ça nous là. Autrement, dans 5 ans, le bon monde rentre là, Kayo, c'est gang pour demander la permission. On est en train de le vivre depuis des années, la boule, et Pernier, Torcel, et on peut citer d'autres quartiers, Martissant, Cité Soleil, La Plaine, and so on. Moi, dit qu'on est, avant de parler avec vous de différences ou faits entre hommes politiques et hommes d'État et nécessité, je veux dire, pour régler les hommes d'État pour prendre des décisions qui pourraient tirer dans la carrefour d'internouille là, à quel sentiment ou vivre ça, leur dit pays à attention et pour soit dire attention, yo bon, peut-être qu'on va bien se faire un bon parce que, à terre, l'homme avant que vous voyez, c'est avec vous. Des fois, la vie, c'est bien les choses. C'est parce qu'il y a maintenant près de 30 ans de temps, les conseils d'émission que je fais à l'époque sur Radio Signal FM et au haut de content de l'attaquement, et quand on tapait déjà, c'est un coup d'État. Côté de l'amitié haïtienne, citoyen, en garde, le fait que l'économie mondiale a changé.
Le changement de l'économie mondiale, là, ça a demandé pour que dans des pays, il y ait des dirigeants qui comprennent ça. Et depuis à l'époque, on a dit à l'Italie, à Haïtienne, il y a trois bagages fondamentales pour nous comprendre que la nouvelle économie mondiale, là, ça, à l'époque, les nouvelles internationales, là, elles demandaient. Ils demandaient, premièrement, pour gagner des infrastructures performantes, ils demandaient, deuxièmement, pour gagner une éducation, un nouveau système d'éducation, qui pour permettre de comprendre que soit l'économie en fait dans le temps. Et pour ça, tout troisièmement, il va dire un secteur privé qui est autonome, ça veut dire un secteur privé dynamique, qui comprend ce qu'il a besoin. Si jamais le gouvernement pourrait mener tourner là, à savoir le gouvernement là, 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 dans le cadre de sa l'instauration de la démocratie, pas comprendre qu'il faut nous sortir du populisme archaïque et barbare. Si ça où les élites haïtiennes ne comprennent pas nous sortir de ça où l'économie de l'Europe, pour nous être dans une véritable modernisation, eh bien, nous pourrons payer conséquences très chères. Le Conseil national, là, le SA lui-même, gagne un premier choix. Le premier choix, c'est que l'Union nous compte que nous ne comprenons pas et que nous comprenons qu'on a toujours continué le même genre. Donc, à ce moment-là, Haïti pour le tourner, ça est capable de brûler un couloir pour la cocaïne, parce que la cocaïne est importante pour eux, parce que les alimentaires sont à eux pour des opérations inavouables. Deuxièmement, nous pour le tourner, tout un dépôt pour toutes sortes de déchets, des déchets toxiques, parce que non, en pire, c'est un couloir qui est un caille, qui est un côté manger, qui est un côté manger, qui est un côté tout, recevoir le monde, mais qui est un côté tout à la guerre des déchets manger. C'est la trine là. Et là, ça n'a pas le jour où la trine là. Et puis, troisièmement, tout, on peut le tourner, une province commerciale dominicaine. Et nous avons commencé, plus ou moins, avec ça, lorsque déjà, dans le cadre de son appuya, on peut le gagner du monde qui peut commencer, dans la période de tout ça, faire atelier ou tourner des dépôts de manger dominicain. Bien sûr, les dirigeants haïtiens n'ont rien compris des nouveaux enjeux, les élites haïtiennes en général, tout. Je te compagne, je te compagne, je même genre. Et je n'ai aujourd'hui à payer à tourner, ça le tourner. Toute nouvelle. Et maintenant, on a l'autre conséquence, tout. C'est que, inévitablement, l'international, là, on n'y compte que c'est un pays, bon, définitivement, en termes de partenariat, en termes de collaborateurs, disons, n'y voit pas haut du tout. Donc, à ce moment-là, il s'est vu avec, il choisit, s'est vu donc avec sa joigne. Et puis, bon, il est confortable. Non, le plan, ça veut dire qu'un pays qui fait un couloir à coupe, un pays qui sont en latrine, un pays qui fait une province commerciale dominicaine. Le service à qualité de mode dirigeant à eux. Et je dis à chaque fois, c'est que bon, vos dirigeants à eux qui fait définitivement que vous êtes un pays qui n'a pas produit rien, c'est importer quoi, importer. C'est pas que l'importation dans tous les pays va exister. Oui, il existe. Des gros pays, bon, nous ne sommes pas faits. Et à l'époque, nous sommes déjà dit que, par exemple, lorsqu'il y a une enquête en Floride, par exemple, ou bien New York, quel que soit, dans un département fruits et légumes, disons, eh bien, oui, on peut être que les légumes qui sont au Costa Rica, à Jamaïque, au République Dominicaine. Haïti qui sont, oui, bon, bon, tellement. Alors que nous sommes pays qui n'ont pas cette bagaille. Et maintenant, étant donné que c'est le mauvais choix que nous fait, et bien, international là, confortable, là, même, même tout, pas aucun problème. Et puis, on vit mon résultat, c'est que, ou pas même les dirigeants, quoi. Ou pas même les dirigeants. Alors, s'il est, le m'a regardé, préparé dans la rue, quand je m'a dit, quand il y a la rue pour démissionner. Marie-La, il va y pouvoir ça. Ce n'est qu'un jobber. Ça veut dire que son monde qui est international là, nous tous le chita là, pas fait de changer que son tweet, simplement de Madame Laline, qui est véritable président de Péria, qui dit, monsieur, tu as tout chez là, tu as tout tes journalistes en attendant, et puis, ben, je sais rien. Et puis, Nadou, après ça, n'a pas mort. Les membres de mon app dit que sur les réseaux sociaux, le gouvernement américain, ben, a gagné 7 jours, pour les résoudre le problème là, il n'y a pas ça, la pobige, etc. Non, il n'y a pas rien. Le gouvernement américain n'a pas gagné pour le dire pareil comme ça, parce qu'on n'a pas gagné des dirigeants haïtiens. C'est fini. C'est fini. Son pays qui perd de souveraineté,
son pays à un certain moment. Où est côté la République dominicaine? Je ne le dis pas là. Je depuis 50 ans, 40 ans, en bande de contrats que j'ai été offert à Haïti, que nos dirigeants de l'époque n'ont pas su saisir, parce que chaque politicien prend des 10%, 15%, 20% pour eux. Il y a l'offre, M. Balaguer, à l'époque, qui était président de la République dominicaine, là, maintenant, les années, le fin années 60, déjà. Et puis, il a mis son pays sur le chemin côté, au côté où il vivait là. Le problème que nous gagnons, nous-mêmes, son tas historique, on dirait son bagage, baron, qui n'en gêne, non? Depuis les années 1950-1954, même un peu avant, l'Europe, les écrits de M. Brunet, adressé à Pétion, il te dit, tout pas qu'à continuer à diriger un pays pour ça. Ou capable, un homme d'État, ou capable, mais ou pas qu'à continuer à proposer un petit politicien démagogue, faut qu'on baille pays, faut qu'on en route. C'est ça le rôle d'un homme d'État. Et ce qui est arrivé, c'est que nous pas fait ça. En 1944, premier intellectuel, même pas un haïtien qui était dans son coin avec Spabano, c'était le pasteur Bird, qui était écrit un livre où il était fait bilan déjà de nos premières 40 années d'existence en tant que pays. Mais depuis le pasteur Bird jusqu'à mon madame Paléala, plein de monde, économistes, historiens, littérateurs, hommes de théâtre, hommes de science, etc., qui va chambouquer dans l'investissement. Mais le problème qu'il y a, c'est que nous plus contentés, nous plus contentés au jeu World ou FIFA, certainement international la guerre politique, oh oui, très certainement c'est lui-même qui concevoit l'ordre de l'économie mondiale. Mais comment se fait-il, pendant que le concevoit, pendant que Boissy a la l'aise pour joindre des mondes d'accord pour jouer des rôles de soucis, mais dans l'autre pays, l'oblige de négocier avec des mondes qui disent, nous comprenons ça, vous voulez, même besoin que le pays joue, pam, joue nos bagages à la donne. Ici, au niveau haïtien, pour la plupart du temps, nous avons toujours eu des petits courtiers, depuis on joint des petits paillois, ils s'en foutent. Ils foutent de respect, il y a. Le pays avait une constitution contre pour eux, et puis vrai caillou, c'est en Europe, après ça, qu'on est là, c'est la Floride, mais qu'on est là, c'est la République dominicaine, et puis qu'on est là, on vient arriver dans un point, côté, finalement, international de la Sédie, mon cher, ça m'a espéré, j'en ai Haïti, même plus que ça. Parce que moi, je viens des mondes, qui soit disant du politique, de l'économique et des financières. On dirait qu'il n'y a pas de problème pour que le pays soit sous la douche. Il n'y a pas de problème que le son latin. Il n'y a pas de problème que le son province commerciale dominicaine. Eh bien, dans ce cas-là, tant pis. Nous n'avons qu'à pas la voilà. On le, on en signe ambassadeur américain. Qui dit, ma, moi, par là. Il n'y a pas longtemps, non? Bah, qui a peut-être 15 ans. Il a dit, bon, ça s'est passé. J'aime mon pays, ça est là. Bon, définitivement. Il n'y a pas besoin de faire des cultures là-dedans. Haïti n'est pas sous ça encore. Pas aucun gouvernement qui a pensé quoi que ce soit. Bon, n'a pas eu manger. N'a pas eu dire, n'a pas eu quoi. Pas eu aucun plan. Donc, pas eu plan. Pas eu politique de population. Pas eu politique d'aménagement du territoire. Pas eu politique énergétique. Pas eu politique de transport. Pas eu politique d'un. Hein? Donc, Si c'est comme ça, vous voulez, n'a pas accommodé le délit. Donc maintenant, question pour nous poser tête. Je veux dire que tout le monde voit que le pays d'Haïti, c'est un condado ou son machine que Botel Félé. Il n'est pas qu'à aller plus loin, il mourit dans la rue. La grande question pour nous poser tête, non, c'est qui ça a fait. Bien sûr, international, la guerre politique, la pression est venue au point, côté où a obligé, on le demande, il vient de mettre l'ordre là. C'est ça qui a joué là. Ma prépite, nous, encore une fois, Ariel Henry n'est rien. Nous pas même besoin d'adresser Ariel Henry, il n'existe pas. D'ailleurs, nous avons
très honnêtement, beaucoup que me connaît, qui occupe une place de direction générale dans l'État, qui a discuté un bagage avec le secrétaire président. Et puis, à la fin de discuter, et puis, je me suis dit, nous avons fait le premier là. Et puis, ça me suis dit, nous ne faisons pas la main dans la lime en vent. Mais on a dit, j'ai payé là. C'est l'international, c'est un pays qui est sous tutelle. Nous n'avons pas gagné, qui a décidé, pays ça, sans que l'international n'a pas de bénédiction. Je le répète, à qui veut l'entendre, n'a pas du temps, nous. Je ne vois pas de rester, non, à Ariel Henry, il n'est rien, c'est un moins que rien. C'est un petit jobber qui a accepté le sale boulot, il a pris exécuté pour patronne. Et patronne, c'est l'international. Pas gagné qu'a fait là, qu'il n'a pas la donne. Pas gagné qu'a fait là, qu'il n'a pas autorisation pour le faire. Comment t'as qu'à comprendre, mes amis? Sans stress. Que y'a un centre de dépôt de carburant? Yo, monsieur, tel qu'il soit, il y a tout le bagage à l'honneur, qui a décidé de bloquer, et puis il n'y a pas qu'à débloquer. Comment t'as qu'à comprendre que ça fait? Alors, vous dites, c'est lui qui n'a plus de graines, parce que tout le monde, c'est lui qui n'a plus de ceci, parce que c'est parce que simplement, lui qui boit des bananes, c'est son grain boit des bananes, qui a existé, il y a l'autre. Comment nous t'as qu'à comprendre que, on soi-disant premier ministre, il passait un gallon gaz 250 gouttes à 670 gouttes depuis le 12 FMI. Mes amis, tout le monde qui connaît, qui a fait pétrole et tomate mondiale, je connais premièrement que le FMI toujours dit, mais qui prie pour la vente, par exemple, pétrole là. On est assez où pour décider de la vente. Mais comme c'est chef qui décide, il dit tout ça plus tard. Et tout le monde connaît, tout le monde qui se mange le pétrole là, connaît. Que vous vendez le pétrole, on tape de côté dans le monde. Deuxièmement, que les prix varient malgré la crise en Ukraine. Et tout le monde connaît qu'en Haïti, comme tant d'autres secteurs, son secteur qui est livré aux raquettes. On ne peut pas échapper tout le bagage à eux. Et n'importe qui spécialiste qui a fait le domaine, ça a dit qu'un prix à qui vendent sur le marché mondial à différents côtés, après vous voulez vendre là, eh bien, il y a une marge énorme côté de pile raquette qui fait combien. Mais quand tu es spécialiste, que l'on a expliqué ça. Maintenant, bon, c'est véritablement dans nos situations côté, nous avons souhaité que les Haïtiens réussissent à comprendre. Que gagne deux bagages qui fait pays. Si nous voulons faire pays tout bon. Parce que moi, jusqu'à présent, malgré toute pile, parler n'a pas les battre l'estomac de 1804, etc. De 1804 à nos jours, il y a très peu de monde qui est arrivé dans ce pays, soit comme ministre, soit comme président, qui comprennent ça, le pays. Bien le savoir, d'abord, et la voix. Ou pas ce pays comme ça. Et ceci, excusez-moi. C'est un monsieur qui t'a bien compris, qui n'a pas aucun diplôme, ni licence, ni maîtrise, ni doctorat. Monsieur ça a atterri tout seul ouverture, il est le fait pour le retourner, pour le repartir économique. Tout seul ouverture, il comprend très bien. On ne peut pas mettre chita, on ne peut mettre gagner. Un paquet là, mais un paquet de force. Non, mais on peut faire tout bagarre avec un baïonnette, mais pas cacher ta souli. Pour bâtir un pays, il faut gagner le savoir, et savoir que l'on a besoin, parce que il faut gagner connaissance pour une économie marché. Et deuxièmement, on a besoin de l'argent tout, parce que l'argent, c'est un gasoline qui est lié à l'économie moderne. Nous pas qu'à continuer à primer l'ignorance, la corruption, le nous comprendre, et puis nous comprendre nous pas faire pays. C'est pas vrai. Et c'est soit ça que nous toujours fait, et que nous payé là, particulièrement pendant ces 60 dernières années.
C'est ça que je dis. Pas de prophétie, non, là-dedans. Là, l'histoire est une science humaine. Il y a des lois là-dedans. L'économie politique sont sciences humaines qu'il y a. Il y a des lois là-dedans. Ou violer les lois, ou pas respecter les lois, ou payer le chèque. Tôt ou tard. Alors, j'espère que nous n'avons pas besoin que les Blancs débarquent là, hein, parce que moi, je regrette ça pour nous. Paris va au moment d'ouvrir. Qu'est-ce que les Barons ont fait des sémantiques? Qu'est-ce que les forces d'intervention, les forces d'évasement, on est après là? Parce que nous pas arrivons côté, parce qu'il y a profité de bêtises de même là. Nous pas arrivons côté pour des situations totalement incontrôlables sur tous les points du territoire. Haïti a tous nos cancers qui ont fait métastase. Pour aller vont côté vrai ou pas vrai, pour aller une bagarre du point de vue international, pas obligé. Bon, à ce moment-là, me supposer peut-être que Béliab jeune de monde qui est capable de tard, qui peut dire, bon, écoutez, les filles comprennent tout ça privé, nous, ça fait miser là, parce que ça qui m'a dit qu'il n'y a pas vraiment. C'est pas un fait que c'est étranger seulement qui est responsable. Nous-mêmes tous, nous n'avons pas de responsabilité là-dedans. Même si que l'État, premier responsable, c'est les concevoir le mondial, d'accord. Mais, où t'es qu'à ou même, mettre quoi en jeu, pour c'est pas où la trine, pour faire. Pour c'est pas où les passer cocaïne, pour faire. Pour c'est pas où les mauvaises commerciales dominicaines, pour faire. Parce que la République dominicaine, il a mangé pour ses paroles ça jouer. Costa Rica, petit pays tant qu'on a mangé pour ses paroles ça que jouer. Ma même besoin de prendre le cas de Cuba. Maintenant, nous-mêmes, mes amis, il faut qu'une capable de répéter, comprenne que l'ignorance, la corruption et la violence, et bien surtout les deux premiers, parce que des fois, la violence qu'on fait l'histoire marcher. Les deux premiers, surtout, ne pas qu'à faire pays. Et maintenant, mon pensée spéciale, justement, pour tout le monde, tout jeune, qui n'est pas qu'à l'école, pour toutes les gens que nous connaissons, m'a dit au grand bagaille, nous avons un livre là, quand nous avons un cahier de voix, revoir ça dès qu'on est déjà, à jamais suspendre. Qu'un bel lien avec le savoir. Parce que c'est à grande bagaille que nous pourrons aller. Les nous mourir. C'est grande bagaille que nous n'avons pas qu'à retirer dans main nous. C'est grande bagaille qui permet de faire venir. Qu'un bel livre nous pour repasser maintenant. Lire tout ça nous capables. Même si l'école n'est pas ouverte. Mais l'école là, il y a son gros école liée. Les livres existent, est attaché à eux. Même si on aime des timons, on les dit à lui fermer l'école pendant 3 mois. Carrément. 3 mois, il ferme l'école pendant 3 mois. Eh bien, ça c'est fait. Pas de internet à l'époque. Pas de même livre, parce que ça n'a pas eu. De tout côté, la femme de la soie et elle, qui était à l'école, eh bien, en fait, si vous étudiez, en fait, si vous avez contact avec le savoir, de manière à ce que nous sommes capables de continuer à faire chez nous. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas mourir devant nous. Il faut que c'est nous qui pour faire, qui pour faire avenir nous, qui pour faire avenir pays. Divorçons de l'ignorance. Divorçons le plus possible de la corruption. C'est ça réellement, je ne veux dire là. Moi, entendez-vous, ou remarquez que élaboré parce que c'est qu'on paquet de questions qu'on a posé ou bas éléments de réponse sur ma PC font une synthétisation rapide pour moi si me bien comprendre route n'a pris là son route l'a mené inévitablement vers en intervention étrangère intervention militaire étrangère et j'ai appris là son question de sémantique et ça j'en ai pas là c'est là n'a privé et là moi à côté de la colère moi j'ai des bails à faire pour mettre la rage à la colère ce qui a précipité un petit peu plus vers ça sur fond d'aggravation de la crise humanitaire là faut déjà mon dieu dans bon grand goût mon devine pi pauvre et faut mettre ça dans basket là maintenant si bien comprendre on ne peut rien attendre de
Monsieur Henry, on ne peut rien attendre de son cabinet, on ne peut rien attendre des petits artifices, des petits accords pour perpétuer le même. Ce qu'il faudrait, c'est un vrai Oumblé, une vraie transformation, émergence, un vrai leadership national éclairé, progressiste, patriotique. Et professeur Soukar. Écoute, Robinson, le Sariel Henry connaît très bien. C'est Mbappé m'a dit. Il ne connaît pas rien là. Il ne faut pas prendre téléphone pour lui demander la lime, est-ce qu'elle a. Donc il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien. Que mon appel de ma prépite, le Américain, monsieur Henry, s'il pas fait ceci. Monsieur Henry, pas tout pareil, ça. C'est Américain qui a besoin de débarrasser de monsieur Henry, il a besoin de facile, tant qu'on m'a mal écrit, a écrit. Même j'en t'ai écrit, là, il est facile, tout. Vous n'avez pas besoin de gomme, ni chier, carrière, là, pour l'autre. Il n'y a rien. Et il ne sera jamais rien. Donc, pas de temps, par la monsieur Henry, par la chef, par la patronne, par la monde qui va le job, là. Pas par la job, là. Le pouvoir de domination et le pouvoir de révocation. Au final. Par la madame Lali, par l'ambassade américaine, par les directement à eux. Pour dire qui ça, par exemple. Pour dire qui ça. Suspendre crasé bien haïtien. Suspendre faire haïtien perdre du travail. Maintenant, tu vas poser la question. Pour leur dire quoi? Oui. Il faut d'abord leur dire que nous prenons la tête. Ariel n'a pas rien du tout. On parle. Qui sont voulés? Qui vont voulu mener nous? Tout gang ça qui crée dans le pays, avec tout pile ça, vous pouvez sortir. Pour qui ça? À quelle fin? Tout le monde dans le quartier populaire, que depuis de longues années, il y a des individus bizarres qui distribuent des âmes dans tout le quartier populaire. Depuis longtemps. Moi, personnellement, depuis 2009, je connais que dans la grande ville, dans une nuit à 1h30 du matin, il y a des gros machines suburbaines qui montent en haut à distribuer des âmes. Depuis 2009. Donc, coopération qui a planifié le pays ça depuis longtemps, parce que c'est Haïti que M. Hippolyte bâti tout. C'est une économie bâti. Bien sûr, il était là parce que, bon, il n'y a pas pourquoi avec l'aide de l'État national. Mais il y a des fois, nous mettons mon époux, comme tu parles pour Haïti, et puis la fille, nous, c'est même tête, elle a continué. On dit, bon, de toute façon, à ce moment-là, Haïti, ça a été bientôt pour nous détruire. Et c'est ça qu'on fait là. C'est ça qu'on fait depuis 30 ans. Je commence par laminer masse populaire avec cette politique néolibérale qui envahit marché haïtien avec du riz, avec poivre, etc. Ça vient créer chômage en masse dans le milieu populaire, dans le milieu paysan. Ça vient créer exode rural massif là, ces villes populaires, cet effondrement de la goutte. Et depuis que le peuple n'a pas qu'à vivre, parce que moi, il n'a qu'à vendre service. À ce moment-là, lui-même, tout le touchait. Et puis, là, il touchait à ça. Mais Miguel, ça fait OK. Dans le Canada, là, le bon côté, qui profitait de crise-là. Ballon masse monde, que c'est des familles haïtiennes qui feraient pour former eux. Et puis, le Canada en profite, en masse. Les États-Unis en profitent, en masse. Ça n'a pas de jambes de dépenser 5 ans. Maintenant, qui est-ce qui a planiné, qui est-ce qui a détruit? C'est le secteur privé haïtien. Vous remarquez depuis quelques temps, le discours, le comportement, c'est de détruire les entreprises haïtiennes. Toutes les entreprises haïtiennes, banques comprises, industries, toute qualité pareille. C'est de manière à ce que, je ne suis pas capable de couvrir, et je ne sais pas trop loin, et qu'on complètement à genoux, ou pas qu'on opposé au une capacité de résistance et qu'après l'an mois je viens de délivrer en bas du jour à prendre et bien ils arrivent à leurs conditions et ils imposent ce qu'ils veulent sans aucun problème. Ok, maintenant on attend que gagne des mondes sous échiquier politique là dans tous les bords on dit comme ça. Et pour le vrai patron, pour me répéter l'élément de langage, les Américains, ce sont des gens qui sont hors jeu. Et certains là-dedans, eux, ils sont signataires d'accord, on nous dit comme ça, ou sont part d'accord, ou sont partis de certains accords. Si vous comprenez bien, il faut pas y arriver des mouns dans politique là, des mouns dans l'élite économique là, qui honnête, qui intègre, prend responsabilité, dit,
Madame Lalime, dit M. Stromaer ou bien Washington, bref, et les vraies interfaces. Et nous besoin en force d'interposition là pour essayer de rééquilibrer la situation par rapport à Gangyo. Et nous engageons à lutter contre la corruption. Nous nous engageons à rétablir les institutions via les élections que nous souhaitons être démocratiques. Il nous faut une assistance économique pour passer le cap de Sanabdivla. Némit, 1, 2, 3, 4. Qui ça qui t'a doué les messages essentiels et à adresser à ces vrais interlocuteurs qui sont les policiers, les decision makers en Haïti, professeur Soukari? C'est ma dernière. Malheureusement, l'étape que nous y est, là, ça, plus les jours passent, et nous devenons plus faibles, plus le dialogue va devenir difficile. Et c'est ça qu'a joué là. Parce que qu'on est entre un homme armé et un homme non armé, en vérité, il n'y a pas de dialogue. Ça veut dire, d'autres termes, l'on est armé, l'absimenté, ouais, ou même on est bonne volonté, on ne fasse pas gagner. Donc, ils sont cherchés, j'en dis à là, ou cherchons l'autre force qui peut essayer de résoudre maintenant. Maintenant, pas gagner fait point 1. Pendant que les sous ça. Pas gagner qui fait point 1. Première condition pour qu'on peut gagner la vie, c'est la sécurité. D'ailleurs, on est dans la Bible. Les Moïse baillent son commandement, je suis demandé peuple Israël là, qui se voulait pour répondre, c'est la sécurité. Maintenant, est-ce qu'on force en Haïti, je ne vous dis à là, si on force légale que les polices nationales, qui relèvent cette armée de pirates que je viens de faire, qui capable sécurité face à gang ça là, non. C'est impossible. On regarde les qualités équipement, qualité de la mer, côté au sorti, pour bien comprendre quelle est leur mission. Donc, ce qui veut dire que même les gens qui mettent dans la condition pour une union là, c'est même les gens qui n'ont pas capable encore et qui sont commis pour accorder une salve à l'avenir, nous supplier et puis ça, il résout le problème. T'as qu'on nous a dit, même j'ai eu l'humeur, même j'ai éteint du tout. Carrément. Alors maintenant, toute l'affaire, c'est là. Est-ce que l'abtonne que nous vivons nos degrés, j'en ai à dire, que toi tellement faible, presque inexistant, est-ce qu'on a une situation où dit, nous sauvons les qui t'a payé à joindre? Je vous répète la question. Nous sauvons les qui t'a payé à joindre. Tout d'abord, qui sauve les? C'est évident, c'est le contrôle total de ce territoire et de ses ressources. Mais maintenant, tout le monde connaît que ce territoire et que ces ressources, pour chita pour aller sur la terre, que c'est marbre, que c'est une quantité d'agneau, de ceci et de cela, il faut une base légale. Parce que ce qui caractérise l'hypocrisie de ces grandes puissances, c'est que quel que soit le crime qu'il y a fait, il y aurait même couvrir avec une couverture légale. Une nouvelle constitution, des codes miniers, des codes pour ceci, des codes pour cela. Qui sont à besoin nous-mêmes, la donne. Parce que c'est sacré, nous, comme dernier force. Parce qu'il n'y a pas qu'à faire sans que vous ne pas accord légal. Parce que l'opinion publique aussi, internationale, vous pouvez jouer sur lui. Vous gagnez des instances internationales qui, là, ont cadré les petits États, les gouvernements faibles qui montrent aux gens pour discuter des accords. La République dominicaine, qui gagne un coup d'assaut de Dakar et qui joue une palle là-dedans. Dominique, pas de compte discuter, gars, c'est d'accord, minier. C'est assez international, ça, qui montre que vous contactez. Mais pour ça, il faut à la tête d'un pays des mondes qui se soucient d'intérêt pays-là. Ouais, chercher, je me rappelle déjà, en 1972-73, lorsque le ministre Serge Foucan, ministre du Commerce et de l'Industrie, et attaquer la Reynolds. Que Duvalier, qui t'a toléré, mais en Haïti, il n'y avait pas d'experts pour pouvoir mener les négociations avec la Reynolds. Déjà, la Caraïbe, te permettre, le ministre Foucan, joindre des experts dans l'exploitation des ressources naturelles,
qui vient rentrer pour nous, mais qui encadre le ministre Soukran et qui aide le mener la négociation et qui donne notre paye ça pour le payer. Déjà, 73-74, cette solidarité internationale existait. Malheureusement, je ne dis pas que tu vas être pas contre la loi, mais maintenant, il faut que nous-mêmes, ne je dis à là, il faut qu'on ait ce monde la fonctionne. Même si on soit fait pétrole, soit fait énergie, il y a des mondes qui connaissent, il y a des haïtiens qui connaissent, qui j'ai acheté pétrole, qui j'ai pu rejoindre pétrole là, puis pour marcher, qui j'ai pour avoir cette structure de distribution pétrole, ça, pour acheter là, qui j'ai pour bâtir une politique énergétique, en tout terme, comme si vous voulez. La bonne des haïtiens, et la bonne des mondes, vous voulez aider Haïti, le président de la sortie dans sa lien, hein, pour aider nous mener les négociations. Il faut, c'est pour aider nous bâtir l'autre État et l'autre pays. Mais pour ça, pour par exemple, ni Poutine, ni quoi que ce soit, pas si vous savez qu'il y a un exemple, mais il n'y a pas eu un problème. Le problème, c'est n'est pas possible. Non, pas possible. Donc, c'est le problème. Maintenant, il faut comparer. Regardez ça, Tim Salvador a fait, président Bouguette. Il ne va pas mettre dans le pays. Mais il n'y a pas mal de temps. Il n'y a pas de responsabilité. Il y a le bon moyen que nous-mêmes, ici, nous ne nous disons la main. Mais écoutez, mes amis, même quand il y a des mondes, supposés, parmi les supposés, ça courage. Même quand il y a des mondes qui viennent de la place, qui fait toute ma propreté qui est dans le pays. Ben, il faut. Il y a des mondes qui ont le courage et l'audace tout. Vous écoutez. Les internationaux, là, vous comprenez ce que ça. Je ne comprends pas qui le monde comme les gens. Je ne comprends pas quoi que vous voulez pratiquement, vous faites ce que là. Mais avant tout, il y a ça, il y a une histoire. Il y a un monde qui a vécu, c'est pas ça, il mourait. Faire une autre bagaille. C'est quoi? Qui ça a passé? On continue avec les people. On continue à gagner cette initiative massive et sauvage. La République dominicaine continue à être en danger. Alors on fait quoi? Dit l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des responsabilités à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Pour nous parler international, c'est pas un monde qui peut nous dire de ne pas parler. Parce que ça, c'est masqué. Pour le parler, tu ne parles pas là avec des nègres, avec la insecte, la plupart, tu vas rencontrer beaucoup plus de masques que de visages. Professeur Souka, merci oui, pour ton savoir accordé. Nous passons bonne journée. Merci, professeur. Kembela. Kembela, Kembela. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et puis on agit. Désespoir, de machination politique et les nantis. Mon éditorial, mon dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel Paula, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle épée, nous bral fait débat, c'est toujours même Yannick.